Showtime. Yo les potes, c'est Azé, quand on se retrouve pour une petite vidéo astuce sur Fortnite comme j'ai l'habitude de faire. Donc comme vous le savez, la semaine 2 est sortie de la saison 5 et il y a 7 nouveaux défis. Parmi ceux-ci, il y a marqué 5 paniers. Je pense pas que c'est en une seule partie. Enfin bref, je l'ai fait un peu en avance, je vous avoue. Mais c'est tout autant réalisable maintenant que les défis sont sortis. Donc c'est très simple en fait, comment faire ce défi? Eh bien tout simplement, vous allez lancer à 50 versus 50, je le dis tout le temps dans chaque vidéo, et si vous n'avez pas compris, lancez tout le temps ce mode de jeu maintenant, parce que c'est vraiment la base pour réaliser ces défis. Enfin bref, vous lancez le 50 versus 50 et vous attendez que en fait toute la partie de Tilted soit de votre côté en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a Tilted, il y a panier à Tilted pardon, il y a panier au terrain de football qui est pas loin de Tilted là, le terrain de football recouvert. Il y a panier à Grizzly Groove et il y a panier à Snobby Shore. Et donc c'est dans la partie, dans cette partie là de la carte que vous allez faire votre défi. Du moins en une partie vous pouvez faire au moins 4 paniers. C'est très simple. Alors une deuxième chose aussi, c'est marqué un panier à 3 points. Qu'est-ce que c'est un panier à 3 points? Je m'y connais pas à fond en basketball, mais je sais bien qu'un panier à 3 points, ça attire de loin en gros. Donc de 10 mètres plus ou moins, un peu moins même, je pense que ça passe. Enfin bref, voilà, c'est très très simple. Vous allez voir dans la vidéo que je vais faire 4 de mes 5 paniers en une seule partie. Après, j'irai à Retail Euro. C'est pour faire mon 5e panier. Donc je pense qu'il n'y a que ça comme terrain de basket. Après, j'imagine qu'il y en a encore un 6e ou quoi, parce qu'ils n'ont pas fait en sorte que le défi soit trop dur, etc. Mais je ne sais pas où il est, le 6e en tout cas. Enfin bref, vous aurez les positions de tous les terrains de basket en regardant ma vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que je fais régulièrement ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche. Sur ce, moi je vais vous laisser. Ciao tout le monde !